السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة سميرة لتعلم اللغة الفرنسية بونسوار بيان في نو لشان سميرة بوغا بوند درسنا اليوم هو حول القواعد الإملائية وهو الجزء الثاني رأينا سابقا في الجزء الاول الفرق بين AEST و ا وكذلك الفرق بين ا sans accent, et avec accent. اليوم euh, سنرى أو و وكما قلت هذه الكلمات هي كلمات تتشابه في النطق لكن تختلف في الكتابة. او ان و ان ت، ينطقان بنفس الطريقه او و لكن يختلفان في الكتابه ولهم معنى اخر يعني قاعدتهم مختلفه « On » ou « n » est un pronom personnel. Un pronom personnel, ça signifie « d'amir ». C'est-à-dire « d'amir » qui nous permet d'exprimer un fait. Maintenant, « d'amir » en français, c'est « je »,« tu »,« il »,« elle »,« nous »,« vous »,« il »,« elle ».« On », euh, on a dit que c'est un pronom personnel qu'on peut remplacer par « il ». Et on, on s'attire à va à la piscine. On peut dire, on il va à la piscine. On ONT. On ONT on est un verbe. C'est le verbe avoir. Au présent, à la troisième personne du pluriel ou des avoir ou bien verbe avoir. On dit j'ai, A, I, tu as, A, S, il a, A, elle a, A, on a, A, nous avons, O, N, S, vous avez, E, Z, ils ont, elles ont, O, N, T. Et donc, O, c'est un verbe à la troisième personne du pluriel, d'amir, à fi, Et que on, c'est le verbe avoir au présent. Je peux euh, le remplacer par avait, a, -A -I -E -N t ou bien par a. Euh, un petit là, des exemples. On boit quand on a soif. Je peux dire, il boit quand il a soif. a ils ont une belle maison. Ledehim beit Jemil. Ils ont, je peux remplacer ils ont par avait, -E a-i-e-n-t. Ils avaient une belle maison. Je peux dire aussi il a, et au lieu du pluriel, je mets la phrase au singulier. Et je peux dire « il a une belle maison ». Alors, quand je peux remplacer « indemma »,« astatir »,« subdel on avait » ou bien « a », et d'un « nadao »« verbe avoir »,« n'a verbe avoir » au présent, à la troisième personne du pluriel. On a vu les lions aux eaux. On a vu les lions aux eaux. Ou bien « il a vu نستطيع ان نقول il a vu les lions يعني شاهد الاسود في حديقه الحيوانات ils ont faim انهم جائعون نستطيع ان نقول ils avaient او نقول إلى a faim les élèves ont de bonnes notes التلاميذ لديهم نقاط جيده On peut dire, nous allons nous dire, les élèves avaient de bonnes notes, ou bien, le mufred, nous allons le jumeau à la mufred, l'élève a de bonnes notes. L'an, nous allons passer à la différence entre son S O N et son S O N T. Son est un déterminant. Les déterminants accompagnent les noms. Il y a des déterminants un maintenant, on dit le garçon, le stylo, le crayon, le livre. Alors, son est un déterminant. Je peux le remplacer par le, mon, ton ou bien ce s c e, y euh, um a un son le au mon au temps son s o n t c'est le verbe être au présent à la troisième personne du pluriel euh, on peut remplacer son par été et nous, on peut situation un mot son s o n t été a t o e, e s t ou le verbe être au le verbe être au présent, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Bon ici, ce sont des exemples. Le pêcheur et son fils sont sur le bateau. Assaya doa ibn al Et d'un son, je peux dire le pêcheur et mon fils. Son sur le bateau, ou bien était sur le bateau. amin a perdu son stylo. Alors, son ici, c'est un déterminant. Je peux le remplacer par le stylo. amin a perdu le stylo. Ou bien amine a perdu mon stylo elles sont contentes il n'a eu le bénin de elles sont contentes je peux dire elles étaient contentes au munkin au haut le jumel à minel j'aime il a m'offre à t'aimer elle est contente son cahier est propre son cahier est propre. يعني كتابه او دفتره نظيف je peux dire le cahier est propre ou bien mon cahier اذا نكتفي بهذا القدر ما بغيتش نطول عليكم حتى يسهل فهم الدرس وما تنساوش اذا عجبكم الدرس الاعجاب بالفيديو وشكرا لكم لمتابعتكم احبكم في الله و جو فو سويت واتمنى لكم عطله سعيده السلام عليكم